on est complètement aux extrêmes. Ils vous ont demandé de faire énormément de bruit. Moi, je vais vous demander de faire énormément de silence. Parce que il y a la pluie, ça ne va pas me simplifier la vie. Moi, j'ai une fuite en plus. Moi, j'ai un micro, vous allez m'entendre. Par contre, moi, dans l'autre sens, il va falloir articuler et attendre surtout d'être désigné pour parler. L'année dernière, il y en a un qui a lancé une réponse à la volée. La réponse a été annulée, la question a été annulée. Tant pis pour Guillaume. Mais c'est pas lui qui avait répondu à la volée, mais il avait la volée. Seulement 12 places pour aller là. Là, il suffit d'une bonne réponse, on monte et on attend tranquillement parce que vous ne serez plus intéressé par les 11 autres réponses. Quand j'ai mes 12 ou moins, parce qu'il peut y avoir des questions qui disparaissent, et bien après je vais me tourner vers eux et on passera au deuxième tour. Mais là, je vous en parlerai juste après. Ok ? Donc, on est parti à partir de maintenant et généralement, on commence par le qui dit à qui. C'est-à-dire une phrase, il me faut les deux personnes qui sont impliquées dans cette phrase. Celui qui la prononce et celui à qui il l'a dit. On est d'accord? Vous avez bien compris? Il me faut deux noms systématiquement à chaque fois pour ces questions. Vous êtes prêts? Alors on attaque. Effacer la mémoire du droïde de protocole. Là, j'ai vu le monsieur avec la casquette. Le capitaine Antipiès a... On va passer au monsieur Frisé là-bas derrière, oui. Allez, on monte. Sergent Antipiès, épisode 3. Deuxième question. Je crois que vous surestimez nos adversaires. Guillaume ? C'est Tarkin, un officier qui est auprès de réaliser le sommet de l'ordre, ça va voir être l'ordre. Il s'appelle comment ? C'est ça, il s'appelle comment ? Tarkin est Chief Past. Eh bien, tu vas monter. Le grand Moff, Tarkin, Chief Bast, épisode 4, quand il voilà, qui le prévient de l'attaque de l'étoile de la mort. Troisième, vous avez sollicité mon aide. Nous sommes dans l'épisode 2, nous sommes dans la bibliothèque Jedi et Joe Castanou s'adresse à Obi-Wan Kenobi qui est venu lui demander de l'aide. Suivante. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Personne ne lève le doigt. Non. Anakin Obi-Wan ? Non. Ça va ou pas ? Celle-ci, elle a calmé du monde. Personne ne l'a. Alors, donc c'était épisode 2, Jango Fett qui s'adresse à Zam Rizel après qu'elle ait échoué dans la première tentative d'attentat contre la princesse Amidala. La princesse Amidala ? Sénatrice. Non, la sénatrice à l'époque. Oui, oui, la sénatrice. Ok. On s'arrête sur les questions concernant les dialogues et on s'attaque à d'autres questions, d'autres genres de questions. De quelle race est Massameda ? Oui. Montre. Avec les deux cornes. Okay. Hein ? Et
c'est vrai qu'il était chez nous en dédicace il y a 2 ans. Et donc c'est un chagrin. Suivante. Quel Jedi est un Keldor? Plo Koon. Donc, Plo Koon, c'est le personnage qui a le masque respirateur parce qu'il ne peut pas respirer ce que nous respirons. Il respire du méthane, quelque chose comme ça. Ouais, méthane. C'est pas mal, méthane. Question suivante. Quel est le prénom du général Hux? Oui. Armitage. Donc là, on est sur épisode 7, épisode 8. Le général Hux s'appelle donc Armitage. Attention, 1, 2, 3, 4, 5. 5 places. On est déjà 7 là-haut. Voilà. Épisode 1. Je vous dis, je vous donne une petite aide. Pourquoi pas, soyons fous. De quelle race est le conducteur du transport que prennent Amidala et sa suite en arrivant sur Coruscant? Oui, botan. C'est un botan. Ah, voilà. Ok. Ils révisent ensemble. Question suivante. Quel Jedi est un Foch? Oui. Oui. Alors. C'est de l'univers légende. C'est un espèce de volatile. C'est un Jedi. Voilà, qui est. C'est un Jedi qui bascule un peu, hein, on va dire. T'es d'accord? Voilà. Il ne reste plus que 3 places là-haut. Enfin, 3 ou plus, parce qu'après, oui, ils peuvent caler et puis vous pouvez monter. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, question suivante. Qui est un Bézalisque? Oui. Dexter Jester. C'est le patron du bar qui a 4 bras et qui accueille en souriant Obi-Wan Kenobi. Venu lui poser la question sur le saveur d'art Kaminoan. C'est ouf, c'est hyper précis. 2 questions. 2 seulement. 2 places. Il a eu peur, Wiesel. Hein. T'étais pas pressé? Non, voilà. Quel est le nom du vaisseau amiral de Snoke? Oui. Suprématie. Que du temple Jedi d'Acto. Il a une main qui s'est levée très tôt. Oui, tu vas me dire. Elle représente. Bon, ça, c'est de l'épisode 8. Et j'ai pas l'impression que les sites internet en aient parlé. Je l'ai pas vu en tout cas. Même sur Star Wars U. Une erreur raccord. C'est-à-dire que. Je vais vous dire très exactement, un des personnages principaux perd quelque chose entre 2 plans, le retrouve et le retrouve plus tard. La question multiple, c'est qui perd quelque chose, que perd-il et à quel moment du film le fait-il, le perd-il? Vous voulez le ralenti, non? Alors, Sébastien, tu viens me voir. Une autre tentative de risque? Non. On a pu.
Fini, non? Sky? Non. Personne? Dans la foule. Allez, viens, viens me voir. Parce que là, c'est quand même compliqué de dire. T'es pas obligé de dire là, mais. J'ai envie de parler d'une balafre sur le visage de Luc, mais c'est pas un objet. J'accorde 5 ou 6 personnes dans la foule après. J'ai envie de parler de Solo avec son tournevis, mais c'est pas ça. Une idée? Vous voulez la réponse? Ah, une idée là-bas C'est pas Chewbacca, de toute manière. Alors, là, t'as tout faux. On est dans l'épisode 5. Alors, devant, il y avait une main qui s'est élevée. Non, mais pas Sébastien, juste derrière, non? Non, c'est bon? Je donne la réponse? Allez. Donc, c'est Luke Skywalker. Il perd son sabre laser juste après être sorti de la grotte du Wampa. C'est-à-dire qu'il a le sabre laser. Mais au moment où il est en train de sortir, il l'éteint et on le voit qu'il l'accroche à sa ceinture. Au moment où il sort, le sabre pend devant lui, il tombe, il roule. Quand il se relève, il n'y a plus de sabre. Il n'est plus là. Un peu plus tard, on le retrouve dans la neige où il marche péniblement, il est fatigué, il n'en peut plus. Et là, à ce moment-là, le sabre, il ballotte devant lui, quoi, comme s'il l'avait toujours eu. Voilà. C'est la magie du cinéma, tout ça. Ok. Toujours s'accrocher normalement. Prenez le temps de regarder l'Empire contre-attaque. On enchaîne avec. On va partir sur un petit peu l'épisode 8. Parce que j'ai pas bien regardé, donc je voudrais que vous m'éclairiez. Quel est le nom de la planète d'origine de la vice-amiral Holdo? Oui? Viens me voir. Gatalenta. Bon, tu le savais. C'est la 4e personnage. L'univers sans force. Ok. Vous savez peut-être que l'un de nos invités a joué dans le costume de Boba Joe, Eden Cook. C'est un extraterrestre du marché de Nima sur Jakku. Mais quelle est la race de Boba Joe? D'accord. Ça vous laisse. Vous voyez de qui je parle, hein, on est bien d'accord. Il y a deux films. Wiesel? Non? Oh, c'est dommage. Jeune Jean, un risque? Oh, la foule? Ah. Non. Pas de bras. Oui, bien, viens. Ce serait pas un Nukosian par hasard? Voilà, c'était un Nukosian, effectivement. Bon. On va. Il n'avait pas la question avant, hein. Mais il a 2 victoires. Puis après, il nous a rejoint. Donc, il ne peut plus jouer. Ok, on est toujours sur Acto. On est sur Acto, on est dans l'épisode 8. Il y a Chewie qui mange du porc grillé. Mais combien il y en a qui le regardent, des petits porcs, pendant qu'ils mangent? Attendez, c'est là que ça se passe. Est-ce qu'ils vont prendre un risque? Est-ce qu'ils vont prendre le risque de se tromper? Ben, viens me voir. Il est où,
sur un nombre. Bon, ah ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? Un porc grillé peut pas te regarder manger quand même. Alors, non. C'était pour faire avancer le porc grillé. Oula, poum. Allez, on va prendre la petite fille. Viens me voir. Je dis waouh. Allez, va. Alors, elle m'a dit 5 et je lui accorde parce qu'en fait, c'est 4. Il y a un plan de coupe et d'un seul coup, il y a un cinquième. Et c'était ce que je voulais. C'était ce que je voulais. Toujours dans l'épisode 8 et peut-être même un petit peu dans le 7. Quel est le nom du personnage interprété par Billy Lourdes, la fille de Carrie Fisher? Alors là, qui a levé la main? Fini? Allez, viens me voir. De toute façon, ils ont levé la main. On va te l'accorder, c'est bon. C'était effectivement ça. La réponse, c'était exact, c'était le lieutenant Konix. Voilà. Et son prénom, c'est Keder. Allez, une petite recherche sur une phrase. Quelle est la dernière phrase de Yoda dans l'épisode 8? Oui, bien. Le 8. Ouais, tu peux venir si tu veux. Non, je l'ai pas vu, le 8. Dans le 8 je l'ai pas vu. Une idée de la dernière phrase de Yoda? Alors, une question facile. Non, mais vraiment. Toujours dans ce film, selon Yoda, quel est le meilleur maître? Oui? Vas-y. Voilà. Il n'a même pas dit en chuchotant, hein. Il est tellement sûr. Voilà. C'est qui? Et on va avoir une dernière question. Et après, ça sera la question subsidiaire pour eux. Donc, là, il y a une dernière chance de les rejoindre. Si personne répond, ils ont une dernière chance de se séparer des autres, et dans ces cas-là, il n'y a pas de question subsidiaire. Si j'en ai un qui me répond et qui vient là, c'est fini, et les autres ont perdu. Ok, donc on s'adresse toujours à vous. C'est un peu compliqué, vous risquez de descendre. C'est dans combien de Star Wars, et j'ai regardé sa filmographie, dans combien de Star Wars a joué Warwick Davis? Et lesquels? Dans quel Star Wars? À la limite, je peux aller jusqu'à quel rôle il a joué. Bon, la main, viens. Bon, écoute, il a tout dit, quoi. Je peux pas lui dire non. Il a même cité des trucs que j'avais pas
mis notablement, je les savais, mais je ne les avais pas mis notablement parce que c'était anecdotique. Donc, entre autres, il a cité 1983, épisode 6, Wicket, 1999, épisode 1, spectateur de la course de pod, 2015, épisode 7, un client de chez Masanata qui s'appelle Woolivan, 2016, Rogue One, Bistan, un des combattants extraterrestres, et il a même allé jusqu'à me dire qu'il avait un rôle dans Han Solo en 2018, et on n'a pas... Alors, tu t'adresseras directement à la filmographie de... Bah, il joue l'autre, alors. Mais sur la filmographie, c'est marqué Bistan. Eh bien, il y a des petites erreurs, mais on vérifiera quand même. On vérifiera. Ok. Donc j'ai cinq grands finalistes. Oui, peut-être. Peut-être. Ils m'ont non cité, mais cela me suffisait, on va dire. Parce que c'est un acteur prolixe. C'est un acteur prolixe dans le monde de Lucas. Il a fait beaucoup de choses, il a rendu service pour plein de choses, ils en ont cité d'autres encore. Ok. Donc là, on va bien réfléchir, on va bien prendre le temps de réfléchir. La question n'est pas si simple que ça. Elle est peut-être compliquée à comprendre. J'espère que vous avez quand même la capacité de la comprendre. C'est une question sur le Conseil Jedi et sa composition. Alors, le Conseil Jedi, on est bien d'accord, est composé de 12 membres. On le voit dans l'épisode 1, dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3. Vous allez tenter de me dire quels sont les Jedi, le nombre de Jedi qui sont les mêmes, qui sont présents en épisode 1, 2 et 3 sur le Conseil Jedi, et il me faudra leur nom. Combien est leur nom? Prenez le temps de réfléchir. Quand vous avez une réponse, vous venez me voir. Il avait demandé qui est-ce qui est entre Tac et Tac. Il y en a qui cherchent dans le public. Mais de toute façon, ça va être trop d'abord. Ah, viens voir. J'ai pas commenté sa réponse, hein, il a donné des trucs. Voilà. Une autre réponse ou pas? Oui, non, mais je sais, je te presse pas. C'est le choix entre s'arrêter ou continuer. Il y a des trucs bien pour les 3, 4e et 5e, mais bon. Non, rien. Ça coince. Ah, si. Sky est en bleu. Alors, ça arrive de voir. Ah, ils sont stressés comme sur eux. Mais c'est elle, mais... Ah oui. Ah, qu'elle joue bien le truc. Ah, trop tard. On va pas le droit
On ne modifie pas sa réponse. C'est arrivé à Renaud, il s'est fait bouffer. Alors, bon, Lane, c'est ça, c'est Lane. Et il m'a proposé 3 réponses. J'étais un petit peu pauvre et voilà. Bon, c'était quoi les réponses? Windu, Yoda et Kyadi Mundi. Ils y sont, mais il en manque. Alors toi, t'étais gourmand? Proposé 7. 7. Bon, je l'ai laissé, mais bon, c'était pour le décourager. Alors, Wiesel, il était à 4. 4 et j'en ai un 5e maintenant qui m'a marqué. Dommage. Moi j'étais à 5. T'es 5, mais il y en a un qui est pas bon. Le dernier. Et par contre, le garçon qui est là, il avait les 5 et ils étaient tous bons. Évidemment, Yoda, Cadi Mundi, Mace Windu, Plo Koon et Sae Setin. Et voilà. Et c'était quand même facile. C'était quand même facile. Voilà. Alors, donc ils ont tous eu, en montant là, voilà, un petit fascicule, et donc ils vont redescendre là, et on va s'occuper un peu de cela. Alors, dans l'ordre, gros lot qui va faire mourir de jalousie, Philippe Grenier, présent ici, il va mourir quand il va voir ça. Excusez-moi. Tu vas le sortir, c'est cet objet. Tu vas le montrer à Philippe Grenier et il va pas être content du tout. Elle est dédicacée, Philippe. C'est un booster jumbo dédicacé.